Non, là, on essaie de voir ce que ça donne, de voir encore comment je peux améliorer avant de passer à l'enregistrement. Mal. Vous savez souvent les gens qui enregistrent pour la première fois qui ont une voix comme moi. Vous savez les gens qui enregistrent souvent pour la première fois qui s'adaptent encore comme moi. Ça vous fait un peu bizarre que je vienne directement, je n'ai pas encore eu à chanter et je veux chanter quand même. N'est-ce pas? J'espère que vous allez bien ce matin. Et même si ça ne va pas, les gars. Alors, les familles, nous sommes en train d'aller faire l'enregistrement audio. Hein? Enregistrement, on appelle ça quoi? Audio officiel. Le premier son de Suzanne et Christian, c'est la magie, le tout si là, non? Moi, j'ai fait fort. Nous avons fait fort. Et tout ça grâce à vous, parce que vous êtes toujours nombreux à liker les vidéos, à commenter, à partager à cet effet. Ça nous donne la force et le courage de toujours pousser le bouchon trop loin, trop loin, trop loin. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de chanter pour mon mari, mais je ne savais pas. C'est-à-dire, je voulais faire quelque chose pour l'honorer, quelque chose pour essayer d'exprimer tout ce que je ressens pour lui, pour essayer de, je sais pas. Anyway, vous aurez à découvrir parce que ça, c'est du lourd. Cette fois-ci, là, non. On a vraiment mis du feu. Donc, j'ai décidé de faire un vlog carrément pour vous partager ces moments, pour partager le déplacement parce que nous sommes en train de nous déplacer pour aller là où on va faire l'enregistrement. Et à cet effet, je vous fais un petit vlog. Likez la vidéo, commentez, partagez si vous aimerez bien que je continue à vous faire ce genre de vidéo, ok? Donc voilà, pas que après le son sort directement, bam, et vous n'avez rien. Donc je commence déjà à vous mettre la puce à l'oreille à travers le vlog de ça, ok? Et donc, likez si ce n'est pas encore fait, commentez la vidéo, surtout partagez. Parce que toi, et moi, enfin, Nendo, you got for me, I got it so for you, baby. Que tu ris, que tu pleures, mon dépresse serait toujours là. Coucou la famille, vous avez un aperçu, un petit aperçu de la chose parce que il faut que je me répète. Vous savez, avec les enfants, le matin, il faut laisser les enfants d'abord à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je n'ai pas toujours eu le temps le matin pour m'apprêter. Il est important que je me rende au studio en étant prête pour l'enregistrement. Et avec le climat de l'ouest où je me trouve présentement, il fait froid en fait. Le changement de climat a fait en sorte que mes cordes vocaux ne sont pas vraiment libérées comme d'habitude. Mais je vais m'efforcer à faire du mieux que je peux. D'ailleurs, même je ne suis pas une chanteuse professionnelle, ok? Je suis juste une amoureuse qui est en train de chanter l'amour. Je chante juste l'amour pour mon mari. Donc, et je partage ça avec vous par la même occasion. Donc, ce n'est pas que ça, c'est dans le but professionnel que ça. Bon, on ne sait jamais ce qui peut en venir après. On ne sait jamais. Donc, voilà. Pour l'instant, on se contente avec nous deux. Bon, peu. Donc voilà les gars, nous sommes toujours en route, on est en train de rouler, on a déjà peut-être roulé une heure de temps comme ça à peu près. On vous montre encore un peu la route les gars et on se retrouve juste ensuite. Les gars, j'ai fini déjà de répéter. Je souffle encore un peu parce que je ne veux pas me mettre trop de pression. Vous savez, quand vous n'êtes pas un professionnel de la musique et que vous chantez juste avec le cœur, juste pour... En fait, vous chantez parce que vous voulez chanter quelque chose, parce que je veux chanter quelque chose pour mon mari. Et dans mon plus profond de moi, je ne cherche pas à parfaire une voix de professionnel, mais je veux juste que mon message, qu'il ressente mon message en quelque sorte. Je veux que mon message soit ressenti. Voyez un peu le genre. Donc, c'est pour ça que je préfère juste un peu visualiser mon mari et moi, nous, dans nos débuts, le parcours et tout. Et ça va m'aider à me plonger dans cette émotion-là afin de pouvoir
vraiment chanter avec le cœur. Donc on continue avec la route, tu montres encore un peu la route, les gars, et on se retrouve ensuite. Now for you and me, I don't remember. Encore, encore. C'est ici que je me suis collé. Encore, encore. Mon amour, we die for ya. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Drop I will never let you down. Je pourrais jamais te laisser tomber. Pour la famille, donc là maintenant, je suis en train d'essayer de pouvoir m'accommoder avec le casque à l'oreille. Parce qu'il se pourrait que l'enregistrement audio va se faire avec le casque à l'oreille. C'est-à-dire, c'est moi seul qui écoute le générique. Non, on appelle ça quoi? Le beat de la musique. Tandis que les gens qui sont autour écoutent que moi qui chante. Donc, et vous savez que quand on met les écouteurs à l'oreille et quand on parle, ça fait une sensation un peu bizarre, pas vraiment naturelle à 100%. Donc, à cet effet, j'ai donc intérêt à pouvoir maintenant mettre les écouteurs à l'oreille, de mettre le beat de la musique à fond et de pouvoir chanter en pouvant prendre le rythme, en prenant le rythme. C'est vrai que j'ai déjà tout fait ça et tout et tout et tout, mais ce que je suis en train de faire maintenant, c'est juste une petite une révision, on peut dire ça ainsi, avant le moment de l'enregistrement, parce que c'est une première pour moi et ça me fait vraiment une sensation un peu bizarre, quoi. Donc j'espère vraiment pouvoir garder mon sang-froid et d'essayer de donner le meilleur de moi-même, les gars, afin que vous et moi puissions voir le rendu final. Nous sommes déjà arrivés, là on essaie de garer la voiture. C'est vrai que c'est sombre, je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc, on se rapproche du moment opportun, tant attendu. Ouf, les gars, je sais pas, ça fait un peu bizarre, mais ça va aller, n'est-ce pas? Ça va aller. Le début de toute chose n'est pas facile. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais eu à faire. On ne sait pas comment ça va se passer et tout et tout. C'est juste tellement trop l'envie de chanter pour mon mari qui me donne beaucoup de force en quelque sorte. Ça s'est bien passé. Ouais. Si tu te sens de temps. Bon, on va voir, ça va aller, même si ça ne va pas, ça... Restez scotché, les gars, Guilou se prépare. On va faire la bienvenue, merci mon gars. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Je suis sur la route. Nous sommes en train de retourner au studio. Avant, quand j'ai vu les avocats, j'ai payé. Vous savez que les avocats, c'est la fin des avocats. Donc, ce qui fait que je sais reconnaître les avocats de bonne qualité. Et ce qui est bio, en fait, ça se voit. Regardez vous-même là. L'avocat de ça, ça allait être trop bon. Regardez-moi ça. Donc, je mets d'abord dans la voiture avant qu'on vous prenne l'ascenseur pour monter en haut pour le studio. On peut aller. Oui, on va prendre l'ascenseur. Les gars, on va prendre l'ascenseur. C'est que j'ai envie de l'ascenseur parfait. L'ascenseur là. Ah, je vois le genre d'ascenseur là, les gars. Moi, je ne connais pas. C'est plus rapide, c'est plus rapide. Sur la famille, vous savez que ce sont les vieilles mamites qui font des bonnes sucres. Donc, ne regardez pas notre type d'ascenseur. Hein? Regardez seulement le rendu de ce qu'on s'en va. Tout fait. Le jeu d'ascenseur, c'est bien. En même temps, c'est du sport. Welcome to Jeb's Records. You're welcome. Thank you. Bonjour. 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 Allez bien. We have to stand up. Yeah. You're welcome. Thank you very much. All right, yes. Please, can we have a seat? Hello. Okay, of course. The boss, Monsieur Jeb's Records. Hello. Ah, okay. Bonjour, mon cher. Notre papa.
papa des artistes, en Camoua, monsieur Kani. Ici, c'est Edi Lavie, les artistes. Mais tout ça. Ouais. Vous avez là madame Suzanne, monsieur Christian. All right. You are welcome, my good friend. Ah, welcome, welcome. All right, thank you. You are l'arabe. Yes. C'est vrai que nous sommes arrivés quand il y avait déjà un autre travail avant et celui-là vient d'être terminé. Donc c'est le moment maintenant pour Suzanne, pour la toute première fois d'entrer dans un box, c'est juste en face de moi là, de mettre les casques à l'oreille et de chanter. C'est vrai, pour être sincère avec vous, j'ai le cœur qui bat un peu, mais je sais de quoi je suis capable. Je sais que je vais surmonter tout ça et je vais donner le meilleur de moi-même. Mon chéri. Mon chouchou. Donc pour ça, je suis confiante les gars. Donc restez scotchés et on vous embarque dans cette aventure. No stress. Let's feel the vibe. Everything's going to be okay. Good. Suzanne, réveille-toi, observe-moi, passe au fruit et de la tête. Voilà. Je te mets dans le vent de la chaise. C'est le 12 octobre, Suzanne, rappelle-toi. Les gars, ça va aller, c'est pour une première. Tu avais dit ton coach, tu avais dit que c'est le caillou qui est à la place des queues des hommes. Mais si tu peux prouver le contraire, les gars, nous sommes en phase de préparatif. De préparation. On se prépare, on s'échauffe un peu. Mais ça va aller. Ça va même déjà. Je ne veux pas me mettre trop sous pression. Je veux juste essayer de faire naturel comme dans la vidéo. Vous voyez, j'essaie de laisser aller. Je ne veux pas faire des mises en scène ou bien montrer l'image de ce qui n'est pas. J'essaie juste de montrer la réalité. C'est tout. Donc, je ne voudrais pas essayer de... Mais bon, vous allez un peu hausser un peu la voix. Lâchez-vous, vous voyez. Mettez un peu la voix un peu plus légèrement. D'accord. On reprend. Doucement. Voilà ça. Ouais, quand vous débutez bien, ça vous conduit au reste. Hein? Bon. Ça va aller. Doucement, on dit. Pas de pression, pas de calme. Slow, doucement, il ne faut pas rater ça. Doucement. Non, c'est faux, c'est vrai. C'est pas la gamme. C'est doucement. Voilà, c'est ça. Doucement. Il faut respecter la gamme et respecter le nom. Doucement. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça donne le nom, d'une façon. Doucement. N'attaquez pas fort, doucement. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, là-bas, vous êtes relax, naturel. Il y a un autre monde. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid.
Ça monte, ça redescend sur la même, ça revient sur la même note. On dit petit à petit l'oiseau fait son nid. On dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Ça revient au départ. Parce que c'est comme ça que la musique joue. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Donc ne pas à gauche, pourtant ça vient de monter. Donc monte, tu descends. On dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Là c'est. On passe l'autre là. On avance les sept. Respecte bien la gamme. C'est la même chose. Comme tu as entendu là, non? La suite là, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si tu pars à gauche, c'est plus ça. C'est la même chose du début jusqu'à la fin. Mets-moi le son à plus. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Je sens une petite peur, enfin pas la peur, je voulais dire ça comment, je sens la voix tremble un peu là. C'est pas comme tout à l'heure, mais c'est ça là-bas en effet, c'est ça là-bas. Doucement, voilà ça. On dit petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est ça là-bas, mais vous avez un peu couru, juste un peu. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait jouer? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous des biens. Qui qu'entre toi et moi ça pourrait jouer? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous des biens. Que vous aviez. Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Les gars, là, on est en train d'essayer de bouger. Oh, mais si vous voyez les gens bien chanter, là, il faut les respecter, hein? C'est pas facile. Mais ça va aller, je sens la gauche là qui bloque. C'est juste une surprise. Je sais que tu me dis. Je sais, ça va aller. Parce qu'on m'a dit que les hommes. Non, là, on essaie de voir ce que ça donne. De voir un peu comment je peux améliorer avant de passer à l'enregistrement. Mal. Vous avez souvent les gens qui enregistrent pour la première fois qui ont une voix comme moi. Vous avez les gens qui enregistrent souvent pour la première fois qui s'adaptent encore comme moi. Ça vous fait un peu bizarre que je vienne directement. Je n'ai pas encore eu à chanter et je veux chanter quand même. C'est quoi? N'est-ce pas? Quand tu viens ici, quand elle finit, je ne vais pas croire les parents. On ne peut pas me mettre du Cameroun. Mais si ça me rassure au moins, les gars, ça me rassure au moins. Je fais des efforts à faire du mieux que je peux, mais je me rends compte qu'il faut respecter chacun dans son boulot en fait. Parce que c'est. On va chanter là, c'est beau, on mime, on croit que c'est facile. Ah bon? Mais ça va aller. L'intérêt où je chante. Ok. Je rentre encore à l'intérêt, les gars, pour qu'on essaie de voir s'il y a amélioration. Te laisser tomber, je ne pourrais pas te laisser tomber. Te laisser tomber, je suis la bambou. C'est tombé, je suis la bambou. C'est tombé.
Ça va aller, j'ai toujours l'impression que je ne donne pas le meilleur de moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la voix bloque beaucoup et je sens que la voix n'est pas vraiment ça. Mais ça va aller. Ça va aller, on reste optimiste. Bah, la raison pâle, mais l'amour change d'air. Que pourrais-je faire ça? On le prend encore. Y'a rien. Que pourrais-je faire? Mais l'amour change d'air. Que pourrais-je faire sans toi? Mais l'amour change d'air. Que pourrais-je faire sans toi, matin, midi, soir avec toi? Que l'amour. Prends soin. Que le ciel bénisse cette nuit. Sans toi, matin, midi, soir avec toi. Que le ciel bénisse cette union. I love you. Sentez le retard. Reprends ma I love you là. You send the light in on, never turn it off. Normalement, c'est parce qu'il se double, mais comment? Il va le faire dedans. Light it on. This love is lighting on. Never turn it off. Light it on. This love is lighting on. This love is lighting on. This love is lighting on. Je suis la bango bango. C'est ton pied, mon pied. Bango bango. C'est ton pied, mon pied. Je suis en palme et l'amour change. La raison palme et l'amour change d'air. La raison palme et l'amour change. La raison palme et l'amour change. Tu es au stade de football. Au stade de football. Il faut que tu marques le but. J'ai tellement envie de chanter pour toi, chérie. J'espère que tous ces professionnels ne sont pas en train de se moquer de ma voix. Rappelle-toi le 12 octobre. N'est-ce pas? Comment je te draguais? Comment je te faisais la cour? Oh là là, bébé. Ok, ok, va à l'extérieur. Alors, je vais me battre. Je me rappelle ce jour-là. Je me focalise. Voilà. On doit aller sous forme de drop. Okay. Donc, on va chanter pas à pas. Ne faites pas ce que vous n'allez pas faire. Faites ce que vous allez faire. C'est vous qui contrôlez le monde. D'accord. Et le monde va vous écouter. D'accord. C'est pas le monde qui est contrôlé. C'est vous qui envoyez ce qu'on doit écouter. D'accord. Donc, on vous fait confiance. Merci. Et je sais que vous pouvez. Ok, les gars, bon, je ferme la porte. Bon, hein. Je me bats. Ok, vous pouvez prendre le résultat dans le futur. Coucou la famille. Nous venons juste de sortir du studio. Tel que vous voyez là. Oui, il y a le pendant de l'enfant par ici. Donc, il y avait le port. Comme le bébé a eu chaud, vous savez, le studio, c'est un endroit fermé. Regardez comment l'enfant est habillé là. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur lui parce que j'ai enlevé tous ses vêtements. Il faisait vraiment chaud. Ah, les gars, j'ai vraiment chaud pour enregistrer le son là. Donc, les gars, ce qu'on va faire, on va juste rester scotché. Là, nous sommes en train de prendre la route pour rentrer. Mais avant de rentrer, on va découvrir quand même quelques beaux endroits de là où nous sommes. On va un peu explorer. S'il y a nécessité de vous faire un vlog, pourquoi pas. N'est-ce pas, chérie? Pourquoi pas? Mais quand on est fatigué, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Fatigué, c'est ok, les gars, voilà. Gars, figurez-vous qu'on nous a bloqués. Je sais pas comment on va faire pour sortir. Regardez, il y a les voitures là qui nous ont bloqués. Carrément. Et malheureusement, les gens des environs n'ont pas leur contact. Quelqu'un vient bloquer les gens du soir. On va aller demander. Attends, vous allez pour savoir qui a garé. Les gars, c'est grave. Ils nous ont bloqués carrément. Mais comment ils peuvent faire ça? On peut porter la voiture. Pour la famille, heureusement, le propriétaire est là. Je me recule avec le bloc. Le propriétaire est venu déplacer la voiture afin que nous on puisse sortir. Mettez beaucoup de likes à cette vidéo, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, ok? Vous voyez que vlogger, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mettez beaucoup de likes pour m'encourager. Pour ceux qui aimeraient continuer à voir des contenus pareils, des vlogs, ok?